Voulez-vous plus grand ? Plus grand, plus impressionnant. Plus grand, plus durable. Plus c'est grand, mieux c'est. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Inform. Notre invité est l'actuel maire de Ndjombe Penja et il est l'ancien allié du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, il a bien accepté de nous recevoir dans son cadre. Paul-Éric Kingué est sur 7 minutes pour convaincre. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Alors, on va aller très rapidement, monsieur le maire, dans votre actualité politique qui est assez dense depuis quelques temps. Alors, vous avez dit dans une interview, je cite, « Il faut que Kamto cesse de se prendre pour un président de la République, il ne l'a jamais été, parce qu'on a encore en souvenir cette vidéo dans laquelle vous prétendiez que Maurice Kamto avait gagné l'élection présidentielle de 2018 avec un score de 52%. Beaucoup estiment que c'est des paroles qui vont avec beaucoup de contradictions, mais pour éclairer l'opinion des Camerounais, est-ce que Maurice Kamto a réellement gagné l'élection présidentielle de 2018 ? À cette question, je préfère réserver la réponse plus tard. Parce que j'ai une sortie, une giga sortie que je dois faire sur la présidentielle 2018 et sur mon séjour en prison avec Maurice Kamto. Oui. Donc c'est pas l'occasion pour moi de parler de ça. Mais écoutez, j'en ai fait un devoir. D'abord un devoir de conscience, parce que il est important que les gens sachent que quand moi je parle, c'est d'abord ma conscience qui parle. Je ne suis pas un Camerounais influençable par ce que les gens racontent. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, il y a une nouvelle race de personnes qui cherchent à me faire parler à leur rythme. Mais je ne suis pas du tout influençable. En mon temps, le moment venu, je parlerai. Et croyez-moi, je le ferai parce que d'abord, c'est un devoir pour un politicien de rendre compte. Quand une élection finit, on doit pouvoir faire un compte rendu. Oui. Sans que cela soit véritablement un problème. Ensuite, parce que j'ai un devoir de conscience vis-à-vis du peuple camerounais, en tout cas de ceux qui croient en moi, de leur dire qu'est-ce qui s'est passé pendant la présidentielle et maintenant de leur dire également qu'est-ce qui s'est passé pendant mon séjour en prison. D'accord. Qu'est-ce qui vous choque en réalité dans l'attitude de votre ancien allié ? Bon, on pourrait croire que quelque chose me choque, mais je peux dire que l'une des choses que je reproche à mon ancien allié, c'est qu'il n'est pas beaucoup différent de celui vers qui il lance des critiques, c'est-à-dire M. Paul Biya. Si je demande aux Camerounais aujourd'hui de me dire la différence entre Paul Biya et Kamto, il y aura trop peu de Camerounais qui vont me donner cette différence. S'il vous plaît, j'ai pas fini. Oui. Constatez vous-même qu'il y a un point commun entre les deux. Le feu peut brûler le Cameroun. Le président Paul Biya ne parle pas. Le feu peut brûler le MRC. Kamto ne parle pas. Alors, s'agirait-il de remplacer une tache par un trou ou un creux par un trou ou un trou par un creux? Ça nous pose forcément problème. Quand on veut diriger un pays, on peut ne pas beaucoup parler. Mais on devrait pouvoir faire des sorties lorsque l'heure est grave. Alors, c'est le cas de Maurice Kamto. Je prends un exemple banal. Moi, j'ai été son allié. Pendant 5 mois, ses militants m'ont laminé dans tous les réseaux sociaux au monde. Il n'a pas levé le moindre pouce. Hein. Il s'est comporté comme si ses militants étaient en train d'insulter un vulgaire Camerounais. J'étais pourtant son allié. Son directeur de campagne. Son directeur de campagne en plus. Mais à côté de ça, ces gars ont insulté des références quand même, comme Christian Toumi. Je ne veux pas dire qu'il est parfait. Ça ne lui a rien dit.
On n'a pas vu Maurice Kempe sortir une seule fois pour dire à ses militants, si vous me respectez, le respect que vous avez pour moi, donnez-le également aux autres. J'ai vu M. Zonga insulter M. Biya en l'appelant, en le qualifiant de monstre. Je voudrais vous dire que M. Zonga a 74 ans. Quand à 74 ans, en Mondovision, vous insultez Paul Biya, alors que ses enfants sont certainement mineurs encore, ou alors à la lisière de la majorité, c'est aussi des êtres humains. Quand un enfant qui est à la lisière de la majorité entend insulter son père, monstre, démon, je crois que c'était ce mot-là, vous ne savez pas ce que ça peut créer comme choc chez cet enfant, deuxièmement. Troisièmement, M. Zonga a insulté Jean-Jacques Ekindi, Grégoire Onah, quelque chose de ce genre, pour dire que Jean-Jacques Ekindi ne vaut rien, avec lui on ne peut rien construire. Est-ce qu'il peut se rendre compte un seul instant que Ekindi ait des enfants qui suivent comment lui, Zonga, père d'enfants, est en train de renvoyer comme un juge à leurs parents? Moi, ça me pose des problèmes. Alors, je continue à dire que ce qui me choque, c'est cette attitude qui veut que, alors qu'on tire à gauche, on tire à droite, on tire au milieu, Biya n'agit pas. Oui. Ce qui a d'ailleurs amené un doctorant soutenir sur les silences du président de la République. Oui. François Macmoudjom, il s'agit de lui. Voilà. Mais à côté de ça, qu'est-ce que Kempe fait? La différence entre Kempe et Biya, c'est quoi? Vous auriez voulu que dans tout cela, il vous protège, qu'il prenne la parole pour recadrer ses militants, parce que vous ne méritez pas. Je n'ai pas besoin qu'il me protège, parce que moi, je peux me protéger. Je voudrais vous dire, par exemple, que tout ce que ces militants font là me laisse à 37 degrés. Non, non, s'il vous plaît, permettez-moi, nous sommes devant les téléspectateurs. Oui. Le minimum, si moi, dans le MPCN, un militant avait pris sur lui d'insulter M. Kempe, je peux vous assurer que ce militant serait passé devant le conseil de discipline de mon parti. Parce que j'estime que même lorsque nous faisons de la politique, il faut y mettre un peu d'éthique, il faut y mettre un peu de morale. Et ça, c'est ce qui manque à M. Kempe. Il y a comme ça plusieurs cas que je pouvais citer, mais dont je préfère ne pas parler. Je vais dire des cas où il est à la limite plus silencieux que M. Biya. Alors, permettez-moi d'insister sur un aspect, Paul Éric Kindi. Alors, vous disiez le 5 décembre 2018, parce que beaucoup vous font également le reproche d'être quelqu'un qui n'est pas très tendre sur les réseaux sociaux. Vous disiez, on le voit quand il faut couper le gâteau d'anniversaire, on ne le voit pas quand le pays coule, malédiction. Mais écoutez, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est pas vrai? Vous croyez que si j'ai des choses à dire contre M. Biya, j'ai peur de les dire? Moi, je l'ai dit. Contrairement à ce que pensent les militants de Kempe, je ne suis pas un pro-Biya. Je suis simplement un homme politique qui apporte de l'éthique dans la politique. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter que M. Kempe soit insulté jusqu'au tréfonds, n'est-ce pas, de sa personne. Tout comme je ne peux pas accepter que M. Biya soit insulté jusqu'au tréfonds de sa personne. S'il vous plaît, je l'ai dit, M. Biya, tout le monde lui fait ce reproche de ne pas être quelqu'un de visible lorsque les affaires de la nation l'interpellent. Ok? Si on veut savoir si je me contredis, je le redis ici. Oui. M. Biya n'est pas visible quand les affaires de la nation l'interpellent. Mais maintenant, je continue à dire que quand on n'en est pas différent non plus. Alors, à la sortie du Conseil constitutionnel, dans une interview, vous disiez que vous ne reconnaisserez plus jamais M. Biya comme président du Cameroun. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Mais est-ce que vous pensez que quelque chose a changé? Je voudrais vous dire que je suis maire par élection. Hein. Ce n'est pas M. Paul Biya qui m'a nommé. Vous avez l'impression que quelque chose a changé? Mais je dis que au-delà de tout, le bateau Cameroun semble avoir à sa tête quelqu'un.
Oui. Qui est M. Biya? Donc vous avez contesté la légitimité. Oui, oui, oui. Je dis que ça ne me rapproche pas, ça ne donne pas non plus de sympathie pour M. Biya. Mm. Vous comprenez? Oui. Moi, je suis allé à l'élection pour me faire voter par les gens de Diombe Pendja. Je n'ai pas attendu que M. Biya, dont je conteste la légitimité ou non, me mette à tel ou tel poste. Je ne tire pas ma légitimité de M. Biya. Moi, je la tire du peuple camerounais, en tout cas d'une partie du peuple camerounais, c'est-à-dire d'une partie de la localité de Ndjombe Pendja. Oui. Vous comprenez? Donc, les gens ont l'impression que j'ai changé. Non, je n'ai pas changé. Je reste autant critique vis-à-vis de M. Biya que vis-à-vis des autres. Je dis que la seule chose que nous devons convoquer maintenant, c'est au minimum la morale. Et en moyenne, l'éthique. Oui. Et je dis que l'homme doit être au centre de toute politique. Si on en arrive déjà pratiquement à demander la mort de quelqu'un, parce qu'on tient à passer au pouvoir, alors on devient sorcier. Les talibans sont sorciers. Les talibans, ce sont des sorciers. Et non, s'il vous plaît, il faut que je leur dise. Il faut que je leur dise qu'ils sont des sorciers. Parce que moi, je n'ai pas peur d'eux. Ils peuvent jacasser dans les réseaux sociaux, ça ne changera rien. J'ai même appris qu'ils vont faire... Vous savez, en 24 heures, ils ont fait presque 30 lives contre moi. Mais ça ne me dit rien. Au contraire, ils m'élèvent. Non, moi, je ne suis même pas ça. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent que c'est Blaise Sangou, un de mes jeunes frères, un militant de mon parti, oui, qui me rend compte de temps en temps de ce qui se passe là-bas, et ma cellule de communication. Éclairez-nous. Moi, je n'ai pas le temps à écouter leurs histoires. Là. Éclairez-nous sur un aspect pour Larry King. Dans une récente vidéo, l'activiste Narcisse Ganchop vous accuse d'avoir pris 50 millions pour surcharger Maurice Kamto au sujet d'un éventuel plan insurrectionnel. Mais c'est... Qu'en est-il? Mais ça ressemble exactement à ce qu'ils ont dit, que Kamto a failli être assassiné au nord. Je vous ai dit, c'est des affabulateurs. D'abord, c'est des menteurs. Ensuite, c'est des sorciers. Enfin, c'est des gens qui ne méritent même pas de vivre dans ce territoire. C'est pour ça que vous allez voir celui-là qu'on appelle Narcisse. Vous l'avez appelé quoi? Ganchop, c'est son nom. Ben, je me souviens qu'un nom comme ça, j'ai dû faire monter un bonhomme comme ça sur le podium au stade Omnisport, qui venait me supplier, alors que j'étais directeur de campagne de Maurice Kamto, qui me suppliait de le faire monter sur le podium, il veut au moins dire quelque chose. Je l'ai fait monter sur le podium, alors que personne ne voulait qu'il monte sur le podium. Il n'était ni allié ni rien. Donc, je l'ai fait monter sur le podium. C'est la première fois que je le vois cette fois-là. Il me dit qu'il est d'un mouvement, je ne sais même plus le nom de son mouvement, et il voudrait apporter sa petite contribution. Et comme nous voulions que tout le monde apporte les contributions, et les fous, et les sereins, et les normaux, je n'ai pas cherché à savoir s'il est fou ou pas. J'ai dit non. Si vous avez un mot à dire pour le président Kamto, montez sur la scène, et il est monté sur la scène. Mais alors, curieusement, ce même bonhomme, quelques temps après, s'est retrouvé dans les cellules du parquet de Ndokoti. Maître Ndoki est vivante. Maître Nsim est vivant. Ce bonhomme m'appelle d'une cellule du parquet de Ndokoti. Et je suis directeur de campagne. Il faut sauver nos militants. J'appelle Maître Ndoki et j'appelle Maître Nsim pour aller nous sortir ce monsieur de là. J'ai appelé le procureur de Ndokoti pour lui dire... Qu'on a un militant là-bas, il faut qu'on le mette dehors. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les militants doivent être persécutés. Et ce monsieur, on lui a donné une petite liberté provisoire en mon nom, bien sûr. Il s'est échappé. C'est-à-dire qu'il a fui le Cameroun alors qu'on ne lui avait donné qu'une liberté provisoire. Il s'est échappé, il est parti. Et il est dans un cachot maintenant, et c'est depuis le cachot qu'il vomit des saletés comme celle-là. Qui m'a donné 50 millions? Ce bonhomme que je n'ai vu qu'une seule fois dans ma vie m'a vu prendre 50 millions. Mais vraiment, il faut que... C'est des affabulations. Non, s'il vous plaît, en même temps que Maurice Kamto se défendait de ce qu'il n'a pas pris 14 milliards de francs, oui, parce que pour lui c'était des affabulations,
En même temps, il doit comprendre que dans son propre, dans sa propre équipe, il y a des affabulateurs comme celui-là. Mais je n'ai vu ce monsieur qu'une seule fois dans la vie. Alors, je ne l'ai pas vu deux fois et je l'ai vu en deux minutes, c'est juste le petit temps de le faire monter sur un podium. C'est tout. Alors, parlez-nous un peu de cette sortie qui a valu, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a fait le tour de la toile. On disait que dans cette sortie, vous avez mis à mal tout le plan qui a été construit par le MRC. Dans l'interview, vous dites que vous étiez 37 et vous avez fait la proposition selon laquelle il fallait entrer dans un hôtel, prendre l'hôtel d'assaut et par la suite nommer les ambassadeurs dans tous les autres pays qui devaient débusquer les ambassadeurs camerounais qui étaient déjà en poste. Et ce plan n'a jamais été exécuté. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez de l'avoir proposé? Non, moi je ne regrette pas. Mais attendez, j'ai l'impression que vous ne me connaissez pas bien. Moi je ne regrette pas. J'ai proposé le plan. Parce que j'ai l'impression, et j'en suis convaincu jusqu'aujourd'hui, que le plus grand rêve des Camerounais était de déloger Paul Biya. Et pour moi, c'était le plan idoine pour le déloger. Mais sauf que j'ai trouvé en face un véritable moment. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas partagé le plan. Et puis je m'en suis défait. Je me suis défait de ce qu'ils appellent plan de résistance. Écoutez, quand vous combattez un système comme celui de M. Biya, qui s'est enraciné pendant une trentaine d'années, vous n'y veniez pas avec des gants en vélo. Vous venez, vous créez le choc, et puis ça dure le temps que les gars s'aperçoivent que ça a duré, et c'est fini, le régime est tombé. Mais à partir du moment où vous êtes en train de dire non, il faut qu'on prie d'abord Jésus-Christ, non, il faut qu'on appelle la Sainte Vierge Marie et tout, vous détruisez vous-même votre plan et puis c'est fini. Justement, parlant. S'il vous plaît, et lorsque vous le faites, vous vous mettez immédiatement en contradiction avec les attentes d'une bonne partie des Camerounais, je dis bien d'une bonne partie, je ne dis pas de la majorité, oui. D'une bonne partie. Donc à partir du moment où mes idées ne sont pas passées, j'ai l'humilité de dire aujourd'hui que elles ne sont pas passées, j'ai pris ça comme tel, mais je ne regrette pas. Alors, parlez-nous un peu de... Parce que je regrette rarement mes actes. Parlez-nous un peu de ce plan national de résistance. Vous semblez n'avoir jamais véritablement accepté cette logique. Mais pour moi, c'était la folie. Que se cache derrière ce plan national de résistance? Mais ce qui se cache derrière le plan national de résistance, c'est la déstabilisation complète du Cameroun. Comment ça? La désintégration complète du Cameroun. C'est un plan qui va jusqu'au bombardement de la République du Cameroun. Vous comprenez? Mais je n'ai pas souscrit à ça. Parce que même étant en prison, j'ai failli être ramené dans ce plan-là. J'ai dit non. Tout ce qui concerne la destruction du Cameroun, nous pouvons ne pas être d'accord sur la manière dont les choses sont gérées dans notre pays. Moi, je ne suis pas d'accord sur la manière dont les choses sont gérées dans mon pays. Ça, c'est clair que je le dirai toujours. Hein. Vraiment, contrairement à ce que les gens pensent en croyant que je suis déjà sardinard, je suis déjà du côté de M. Biya, ma position reste celle-là. Je suis un chef de parti politique. Je n'apprécie pas la gouvernance de ce pays. Je ne suis pas d'accord avec cette gouvernance. Vous comprenez? Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant pour que je prête le flanc, pour que mon pays soit mis en ruine? Je dis non. Je vais vous dire un peu. Oui. Lorsque j'ai proposé qu'on déloge les ambassadeurs, il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Mais ça s'est vu aux Zaïre à l'époque, où il y a eu deux gouvernements entre Tshisekedi et Mobutu. Ça s'est vu dans d'autres pays où il y a eu deux gouvernements, c'est-à-dire que... Mais dans ces pays, il n'y a pas eu de guerre. Vous comprenez? Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Si vous entrez dans une ambassade pour enlever un ambassadeur, ça crée la guerre comment dans le pays, au Cameroun? Ça ne crée pas de guerre. C'est-à-dire qu'on constate... vous grippez simplement... le système diplomatique et ce qui amène la communauté internationale à vous faire asseoir sur une table pour que vous discutiez d'égal à égal. Mais des gens ont simplement cassé les photos dans une ambassade. Non, maintenant, tout ce qui s'est passé après, oui, relève du plan de résistance.
J'ai dit tout ce qui s'est passé après relève du plan de résistance. Tout ce qui s'est passé après n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais proposé au départ. Vous comprenez? Par conséquent, non, s'il vous plaît, si vous entrez dans une ambassade, vous cassez, ça n'a rien à voir de lorsque vous arrivez, vous dites à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, vous n'entrez pas ici. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Oui. Or, ce qui s'est passé ici, c'est que les casses de l'ambassade de Paris et je ne sais pas d'où là, partent de ce que les Camerounais étaient déjà suffisamment gonflés pour dire qu'ils veulent le changement radical. Maintenant, ils ont vu l'effusion de sang sur Ndoki, sur Ndjamel et autres, et ça a créé ce que ça a créé de manière spontanée. Mais ça aussi est dû au... C'est dû à quoi? Au plan de résistance. Et je veux vous dire pourquoi. Parce qu'il fallait qu'il y ait marche à Douala pour qu'un Ndoki soit tiré dessus. Et la marche de Douala s'inscrivait en droite ligne de leur plan de résistance. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut bien que les gens, les Camerounais qui ont encore de la jugeote, parce que ceux de Kamto n'en ont plus. Ils n'ont plus de jugeote, les gens qui sont avec Kamto. Par conséquent, non. Ils sont menés en bateau. Non, à la limite, je pense même que beaucoup, contrairement à ce que j'entends dire qu'il me faut un psychiatre, mais je crois que le docteur Félicien Tonnet, psychiatre camerounais, gagnerait à consulter les militants de Kamto. D'accord. Parce que dans un premier temps, il y en a qui ne connaissent rien en politique, mais qui s'y lancent. Mais sauf que quand ils s'y lancent, c'est avec toute la violence possible. Voyez-vous, je suis toujours cohérent dans mes déclarations. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où je mets en garde M. Maurice Kamto par rapport à la violence de ces gars. Ça, c'est avant que je ne devienne son allié. Directeur de campagne. Quand il m'a donné l'assurance que il va gérer cette question, j'ai accepté d'aller en alliance. Vous avez même dit dans un entretien que vous avez donné, si je ne vous coupe pas, pour Paul-Éric Kinguet, que Maurice Kamto ferait un très bon président pour le Cameroun. Oui, je continue à le dire. Écoutez, la seule chose chez Maurice Kamto qui empêche qu'il soit président, l'une des choses, je veux dire, les plus importantes, c'est qu'il est, en otage. C'est un personnage complètement ténaillé par ses collaborateurs, ses camarades du parti. Je parle là de Foguet, Kamto ne peut rien décider sans Foguet. Je parle là de Djogé, Kamto ne peut rien décider sans Djogé. Je parle de Zamboué, Kamto ne peut rien décider sans Zamboué. Ils sont trois. Le MRC que vous voyez là, c'est quatre personnes. Zamboué, Foguet, Djogé et Kamto. Je vous assure, si vous allez regarder également ces quatre personnes qui sortent du Kunki ou des hauts plateaux, ça veut dire que les autres sont là, des habillages. C'est des parpaings qui viennent meubler le bâtiment. C'est-à-dire que Maître Sim est un parpaing, Mamadou Mota est un parpaing, Noah est un parpaing. Ces gars ne servent à rien. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que, voyez-vous, alors que Manuel Noah est vice-président, tous ces communiqués qu'elle pondait là, c'est Foguet qui les écrivait en cellule. On l'appelait seulement, elle venait prendre le communiqué, elle partait signer. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Donc, en réalité, elle était simplement une figurante. D'accord. Et elle me suit. Si elle me suit, elle sait que ce que je dis est vrai. D'accord. Donc, conclusion, c'est un parti dirigé par quatre personnes. Et quatre personnes qui appartiennent à deux départements voisins. Le Kunki et le Haut-Plateau. D'accord. Tous les autres, ce sont des faits-valoir. C'est des colorants qu'il faut simplement pour donner de la couleur aux sucettes. D'accord. Ces gens n'ont rien à dire dans le MRC. Et ceci est d'autant plus grave que la seule personne que Kamto craint dans le MRC s'appelle Foguet. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Dites-nous. Parce que quand il tape la main sur la table comme ça, boum, en cellule, Kamto va se coucher. Il part se coucher. Ok.
Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, ça peut s'expliquer. D'après ce que j'ai appris, c'est lui qui aurait créé le parti. D'accord. Le MRC était d'abord MRT, ou je ne sais pas exactement quoi. C'est Fogué qui l'avait créé. Et puis bon, mais donc, en réalité, vous allez constater que personne n'a un mot à dire dans ce parti, en dehors de ces quatre personnes. Je propose qu'on marque une pause pour les Ricking. On revient dans la deuxième partie de cet entretien. Il y a beaucoup... Allez loin, pourquoi vous êtes déjà à la deuxième partie? Il y a beaucoup d'autres sujets que nous allons éplucher en deuxième partie. Je propose qu'on marque une pause. A tout de suite. Voulez-vous plus grand? Plus grand, plus impressionnant. Plus grand, plus durable. Plus c'est grand, mieux c'est. Tout sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec notre invité Paul Éric Kinguet, l'actuel maire de Ndjombe Pendja. Alors, monsieur le maire, autre actualité qui nous intéresse, nous avons un peu fouillé et on nous a demandé de vous poser cette question de manière précise. Alors, quels sont les accords que vous aviez avec le parti de Pierre Kouémo, UMS, quand vous étiez encore en prison? Est-ce que vous aviez des accords? Je n'ai jamais eu un désaccord avec le parti de Pierre Kouémo. Jamais, aucun accord. Mais Pierre Kouémo est vivant. S'il y a un accord, appelez-le, demandez-lui de venir montrer cet accord-là. Mmh. J'ai jamais eu d'accord avec lui. Vous savez, monsieur... Vous connaissez quand même l'homme politique? Vous vous côtoyez des fois? Oui, monsieur, je vais vous raconter. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui. Il y a une chose qui va me caractériser et qui me caractérisera toujours. La vérité. Au-delà de ce que les gens racontent de part et d'autre, j'ai entendu des gens dire, par exemple, que j'étais à Paris il y a 3 mois pour prendre 300 millions de francs. Mais monsieur, il y a 3 mois, et les médecins de l'hôpital central de Yaoundé sont en train de me suivre. Et ceux de l'hôpital régional de Nkonsamba sont en train de me suivre. J'ai passé 3 mois et demi sur leur lit d'hôpital. 3 mois et demi. Mon dernier voyage pour la France date de 2016, du mois d'août 2016. Mon dernier voyage en France, s'il vous plaît. Mais quand j'entends des gens, il y a un monsieur en France là qui se démaquille comme une femme là, comment on l'appelle, il est assez efféminé comme ça, comment vous l'appelez, Ngono, c'est ça, J.Rémi Ngono, qui raconte que moi j'étais en France. Mon dernier voyage de Paris date de 2016. Et l'ambassade de France est là, cela peut se vérifier. On ne peut pas aller en France si on n'a pas de visa. Même si j'avais eu un visa, il serait déjà épuisé. Parce que mon dernier voyage date de août 2016. Oui. Il n'y a pas de visa de 5 ans pour aller en France. Et 2016 à aujourd'hui, c'est quand même 4 ans. Je serais reparti à l'ambassade demander nouvellement. Mais c'est facile pour eux. Ils ont des gens crédules. Ils ont des gens, comment vous les appelez, qui les suivent de manière moutonnière. Et vous les voyez, ils sont tous sur des directs pour écouter des grossiers mensonges comme cela. Moi, je n'ai pas été en France. La dernière fois où je sors de Paris, c'est en août 2016. Et puis, quand il parle des 3 mois qui précèdent les élections, ça c'est une vidéo qui va circuler. Les médecins de Nkonsamba, le directeur de l'hôpital régional de Nkonsamba et le directeur de l'hôpital central de Yaoundé peuvent dire que j'étais dans leur hôpital, paralysé, je ne marchais pas. Je suis parti directement de l'hôpital pour la campagne. Parce que la campagne avait déjà... était fini de... avait commencé de 3 jours à l'avance. J'ai fui l'hôpital, j'ai quitté l'hôpital pour aller battre campagne. Je n'ai eu que 6 ou 7 jours de campagne et j'ai gagné mon élection. Quand je suis un monsieur comme celui-là, dire aux Camerounais naïfs,
Parce que ces Camerounais sont dans l'angoisse. Ils tiennent absolument au changement. Ils captivent ces gens, leur esprit, en leur racontant des histoires. Moi, ça me fait rire. Moi, je n'ai pas été à Paris. Depuis 4 ans, je n'ai pas été à Paris. Donc, vraiment, je suis choqué d'entendre ce genre d'histoire. Lorsque vous regardez tout cela pour les Rikingais, oui, est-ce que vous regrettez vraiment de vous être allié au MRC? Le plus grand regret, je vais vous dire un peu. Oui. J'ai mis 8 ans en prison, j'ai jamais regretté. Parce que c'était 8 ans utiles pour que les choses changent dans ma localité. Les 8 ans ont permis que les salaires passent de 18 000 à 64 000, aujourd'hui à 70 000 francs à la PHP. Oui. Vous comprenez? C'était une cause noble que je ne vais jamais regretter. Mais par contre, j'ai regretté les 10 mois que j'ai passé avec Anto. 10 mois de temps pourtant pas équivalent à 8 ans. J'ai regretté parce que je me suis rapproché du WC et j'ai senti l'odeur du WC. Est-ce que vous aviez du soutien du MRC, du soutien financier, le soutien lié à un certain nombre d'éléments pécuniaires, par exemple en prison, pour pouvoir tenir pendant ces 10 ans? Je voudrais vous dire, c'est ma famille qui m'apportait à manger tous les jours. Et la famille n'a jamais sauté un seul jour sans m'apporter à manger. Les prisonniers qui étaient dans notre cellule sont encore en cellule. Ils vont suivre cette vidéo. C'est tous les jours que ma famille m'apportait à manger. Tous les jours. Maintenant, nous avions un système de nous nourrir là-bas, oui, pour éviter l'empoisonnement. Nous mangeons tous collégialement. D'accord. Ça veut dire que quand ma famille apporte à manger, Madame Kamto apporte à manger, la famille de Pendai Koka apporte à manger, celle de Zongan, Fogué, toutes ces nourritures, on les met ensemble et nous mangeons. D'accord. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ça m'amène même à rire parce que j'ai également entendu certains dire que j'ai été infiltré là-bas pour tuer Kamto. Mais ce que Kamto ne dit pas, et quand Kamto suit des choses comme ça, il aurait pu quand même dire que si King voulait me tuer, King m'aurait tué. Puisque je dis que nous mangions ensemble. Personne ne mangeait sa nourriture seul. C'était une mesure que nous avions prise pour éviter d'être empoisonné de manière ciblée. On voulait que s'il y a empoisonnement, que tout le monde meure en même temps. Tout à fait. Ça veut dire que quand la femme de Kanto, Julie, apportait à manger, la famille de Penda apportait à manger, moi, ma famille apportait à manger et autres, tous ces repas étaient mis en même temps sur la même table et chacun se servait indépendamment de ce que sa famille a apporté. C'est-à-dire que si Kamto veut manger l'oncui, si c'est la femme de Zongan qui a apporté l'oncui, il se sert d'oncui alors que sa femme lui a apporté du poisson, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a vécu pendant 10 mois. Donc comment est-ce que les gens peuvent penser que j'aurais pu empoisonner les gens? Je voudrais vous dire, contrairement à ce qu'on a aussi dit, j'étais dans la même chambre que Kamto. Moi, je n'étais pas dans une autre chambre. Oui. Nous étions dans 2 chambres. Il y avait une chambre où il y avait Zongan, Njamen, Penda et Koka. Oui. Ils étaient dans une chambre. Il y avait une chambre où il y avait Valsero, Kamto et moi. Vous comprenez? Donc, il était dans une autre chambre chez les femmes. Conclusion, moi, j'étais le voisin le plus proche de M. Kamto. Valsero était au-dessus de mon lit. Et on avait un gars Wajax, un gars du nord qu'on appelle Ticha, qui était à l'angle. Vous comprenez? Oui. Donc, et la salle est une salle d'à peu près 6 mètres carrés. Je dis bien 6 mètres carrés, vous comprenez que c'est pas grand. Hein? Tout à fait. C'est-à-dire que quand Kamto se déshabille, on est là, je le vois, quand l'autre se déshabille, quand l'autre fait ci, quand... Bref, il n'y a pas de rideau qui nous sépare. Tout à fait. Et nous avions un endroit où on avait posé, quand les nourritures arrivent, on les pose au même endroit, oui, sur une, pour manger tous ensemble. Oui. Donc vraiment, quand les gens racontent ce qu'ils racontent, seulement parce qu'ils veulent faire du buzz, seulement parce qu'ils veulent faire du direct, moi ça me fait rire. Oui. Kamto, Penda et les autres auraient pu faire des sorties pour dire que non, si King voulait nous empoisonner, il nous aurait empoisonné. Parce qu'ils ne pouvaient même pas échapper si je décidais de les empoisonner. Mais pourquoi donc les empoisonner? Pourquoi? Vous croyez que quelqu'un peut prendre sur lui d'aller passer 10 mois en prison parce qu'il veut gagner quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Quand je suis sorti, j'ai trouvé des aérés d'électricité et d'eau chez moi.
Et vous croyez que, pour 10 mois, oui. Et vous croyez que je sors, je vais en prison, j'accepte de revenir avec des arriérés et tout, je travaille pour quoi? Alors dites-nous très rapidement. Le gain était quoi? Aurait été quoi? Dites-nous très rapidement, Paul Eric King, est-ce que l'État du Cameroun vous a versé tout l'argent issu de votre premier... Je vous ai dit, depuis ma dernière sortie avant d'aller en prison, que l'État du Cameroun n'a jamais versé un centime. Je le redis ici aujourd'hui, l'État du Cameroun n'a jamais versé un centime. Mais que faites-vous pour réclamer cet argent? Non, je fais ce qu'il faut. J'ai confié ce dossier à un avocat international qui est à Paris, qui s'en charge. Moi, je ne veux pas jouer le rôle de l'avocat. Vous comprenez? Mon avocat s'en charge. Donc, il faut que les gens cessent de penser que j'ai pris de l'argent de l'État du Cameroun ou du RDPC pour faire ce que je fais. J'ai jamais rien reçu ni de l'État du Cameroun, ni du RDPC, ni des militants du RDPC. Vous comprenez? Je suis critique avec Kamto pour deux choses. Le manque d'éthique politique. Je dis que nous pouvons être aveuglés par le pouvoir. Mais vraiment, il y a un minimum de choses à observer. La première chose à observer, c'est que quand il y a une pandémie, comme le corona, on va parler juste... nous ne devons pas y mêler de la politique. Parce que corona ne connaît ni MRC, ni MPCN, oui, ni RDPC, ni Potbia, ni Kamto. Donc on peut parler de corona sans avoir besoin, n'est-ce pas, de passer par des ultimatums qui sont inutiles. D'accord. Moi je dis qu'ils sont d'ailleurs improductifs, sauf si c'est des shows, des one-man shows qu'on veut faire pour se faire voir. Or je comprends Kamto, moi je comprends, je suis même plus intelligent qu'on ne le pense. Oui. Il sait que pendant 5 ans, ces gars ne vont curer que des caniveaux. Alors il faut qu'on parle de lui. Vous voyez que c'est le même Kamto qui a dit il y a quelques jours qu'on a voulu l'assassiner. C'est le même Kamto qui dit que Paul Biya est même déjà mort. C'est le même Kamto. Non, il ne l'a pas dit. Dit. Non, ce sont ces gens. Quand ces gens parlent et ils ne sortent pas, ça veut dire. Mais qui ne dit rien comme ça? D'ailleurs, je veux même vous dire, dans sa déclaration, dans son ultimatum contre M. Biya, ça ressort en filigrane. Il dit que si M. Biya est vraiment vivant, qu'il sorte de son silence et qu'il prenne ses... Parce qu'il y a une rumeur qui circule suivant laquelle M. Biya est décédé. Et moi, je continue à dire que cette manière de polluer la politique, de polluer la vie nationale de politique, même lorsque une pandémie est là et qui n'a rien à voir avec la politique, moi, cette manière me révulse. Vous comprenez? Je suis suffisamment révulsé quand je vis ce type de choses. Nous devons être sincères. Et il ne faut pas que M. Kamto s'accroche absolument sur la mort, sur du sensationnel. Hier, c'était plutôt sur le Nozo qui s'accrochait. Aujourd'hui, c'est sur Corona. Demain, qui sait, ça va être sur autre chose. M. Kamto, qu'il développe les idées pour son parti et qu'il laisse ces choses-là, ces drames-là dans leur coin. C'est des drames nationaux qui choquent chacun de nous, parce que je tiens moi aussi à voir ce pays s'y changer. J'en profite pour demander aux dirigeants de ce pays de prendre en main et très rapidement le problème du Nozo qui semble être relégué au second plan, de prendre en main cette affaire de Corona. Quant à ce qui me concerne en tant que maire élu non nommé, j'entends que ce combat contre Corona, j'entends le mener avec les petits moyens de la commune de Pékin. Alors il y a quelques mois justement que vous avez été installé dans votre fonction de maire à la commune de Ndjombe-Pendja, le coronavirus subitement arrive. Quelles sont les dispositions prises par vous, monsieur le maire, pour mettre à l'abri de cette pandémie vos populations? Bon, écoutez, moi je ne suis pas médecin, ok? Mais je suis un élu local. Oui. Qui est chargé. Non, s'il vous plaît, non, ce n'est pas pour pour dire que je n'ai pas de responsabilité dans cette affaire. Oui. Au contraire, j'ai des responsabilités de par les compétences qui nous sont transférées. Vous savez que désormais, c'est les maires qui gèrent les problèmes
de santé primaire dans leurs différentes localités. Or, ici, là, c'est un problème sérieux. C'est un problème de santé publique dont le maire est tenu d'y entrer. Mais seulement, pour répondre à votre question, depuis que cette pandémie est arrivée, vous voyez qu'elle ne m'a même pas laissé 15 jours. Tranquille. Tout à fait. À peine j'arrive que cette pandémie commence. Peut-être même qu'elle a commencé avant que je ne prête serment. Vous comprenez? Mais moi, j'ai déjà fait une campagne de prévention, de sensibilisation, c'est-à-dire les jeunes de chez moi, j'ai recruté 125 jeunes que j'ai envoyés dans les églises, dans les tontines, dans les réunions, dans des forums, dans les champs, dans des maisons, maison après maison. Ils sont entrés dans presque toutes les maisons en Djombé-Pendja pour sensibiliser les populations par rapport à cette maladie. Parce qu'il y a beaucoup de parmi mes populations qui pouvaient ne pas être au courant de la présence de cette maladie. Okay? Et de comment est-ce qu'elle se manifeste. Passer cette première étape, dès cette semaine, c'est-à-dire dès demain, tout Djombé-Pendja et tous les carrefours, les marchés et autres seront pleins de seaux d'eau et de machins de savon partout. Ça a été commandé. Et dès demain, quand vous arriverez à Djombé-Pendja vendredi, vous allez trouver que ces seaux sont partout. L'innovation ici, c'est que la commune a décidé de fabriquer des masques. Vous comprenez? Désormais, j'ai décidé de créer un centre de fabrication des masques pour protéger mes populations. Mais en même temps, j'ai... C'est du business ou c'est autre chose? Non, c'est pas du business. Mes populations vont avoir des masques gratuits. D'accord. Vous comprenez? Mais c'est mon rôle, il faut les protéger. D'accord. Bon, mes populations vont avoir des masques gratuits. Et ce projet est soutenu par les plantations du Haut-Pendja, donc la PHP. Nous allons créer, moi, la commune va créer le centre de fabrication des masques pour protéger ces populations. Alors, je ne vais pas seulement me limiter à ça. Il faut la contribution des hommes politiques. Dès vendredi prochain, je convoque une conférence de presse à ce sujet pour inviter mes pairs, présidents de partis politiques, des autres partis, qu'on essaye de se mettre, qu'on surpasse un peu nos égos pour nous mettre ensemble, pour apporter la réflexion autour de ce mal. J'ai l'impression que c'est un peu l'Eric King est désormais plus doux, plus tendre que j'écoute à l'instant. J'ai l'impression... Vous avez pris encore de maturité, c'est ça? J'ai l'impression aussi que j'étais mal compris. Je suis ferme, mais pas fermé. Ah d'accord. Je suis dur. Je suis ferme, mais pas fermé. D'accord. Ce qui me caractérise, c'est que quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Ça peut ne pas aller du côté du gouvernement, je le dis. Ça peut ne pas être aller du côté de Kamto, je le dis. Ça peut, mais il faut toujours le dire en gardant la courtoisie, mais en gardant la hauteur. Parce que il faut éviter, n'est-ce pas, d'enflammer la République. Parce que pour moi, c'est tout ce que nous avons comme bien. Vous avez beau marcher à Paris, vous avez beau marcher à Londres, comme j'ai vu les gens du MRC faire là, pour moi, je considère que c'est de la gesticulation. Le Cameroun reste le seul microcosme naturel que Dieu nous a donné. Donc, en réalité, c'est notre héritage. Pour moi, on ne peut pas détruire l'héritage. Si vous détruisez votre héritage, alors vous n'êtes pas loin de devenir comme des apatrides. Des apatrides comme... il y a un monsieur en France là qu'on appelle Niamsi. Franklin Niamsi. Franklin. Professeur. Oui, vous savez que c'est l'un des apatrides dans ce monde. Vous savez que il s'est essayé, il a voulu tenter d'aller faire la politique en Côte d'Ivoire. Derrière Soro, on a chassé Soro de Côte d'Ivoire. Lui-même Niamsi ne peut plus mettre pied là-bas. Et il essaye de lutter contre Paul Biya ici. Il ne peut pas mettre pied ici. La preuve, c'est que sa mère est décédée et il n'a pas mis pied ici. Donc, moi, je ne veux pas que les Camerounais se retrouvent dans des situations comme celle-là. Il faut que le Cameroun, quel que soit les cas, qu'on le préserve. D'accord. On devrait le préserver. Monsieur Biya a même à son actif beaucoup de fautes, beaucoup de choses à lui reprocher. Mais je dis, au-delà de tout ça, il faut que le Cameroun
soit préservé. Et notre devoir, c'est de préserver le Cameroun. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. On va sortir par là, rapidement. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Moi, pendant que j'étais directeur de campagne de Maurice Kamto, j'ai été contacté par des forces extérieures pour que je vais à ses côtés pour que les armes entrent ici. Je l'ai dit à monsieur le délégué général à la sécurité nationale à l'époque, et c'était devant Penda Ikoka, parce que je n'ai jamais rencontré le délégué général à la sécurité nationale seul, j'étais avec Penda Ikoka, je le lui ai dit. Et ceci a d'ailleurs également été fait par un certain Fogué, qui, lorsque j'ai renvoyé ces gens, je crois que ces gens sont rentrés voir Fogué, et Fogué a fait pareil. Donc c'est pour vous dire que nous, les différences politiques ne devraient pas être la guerre. Je comprends les gens du MRC. Je les comprends. Beaucoup sortent de Baham et de partout là et tout. Ils n'ont pas la formation politique. Allez voir quand ils répondent aux gens. C'est Kaptchouan, c'est Tchatchouan, c'est Fokam. Allez voir toutes ces réponses là. C'est 95% des gens qui insultent, qui prennent en otage tout le pays, qui terrorise tout le pays. Moi, je ne suis pas dans les affaires tribales, parce que il faut que les gens le sachent. J'ai une partie de moi qui est Bamileke. Moi, j'ai justement une partie de parents Bamileke. Donc, du coup, avant que vous ne continuez, mais il y a aussi les Bamileke dans le RDPC. Avant que vous ne continuez, pour Eric King, alors une logique, une longue polémique persiste au niveau de votre nom et de votre origine. Donc, on dit que King est en réalité kényan. À l'ouest Cameroun pour faire diversion dans l'impression que vous êtes un fils du Mongo. Non, je suis un peu choqué. J'ai déjà expliqué ça sur toutes les chaînes de télé. Dites-nous. Mais je redis ici que le père de mon père était d'Ibomba. Il faut que cela soit noté. Votre grand-père. Mon grand-père. Le père de mon père était d'Ibomba. Sauf que la mère de mon père était Baleine. D'accord. Vous comprenez? Là, après Bafoussam 3. Oui, cela c'est ce qui concerne mon père. Oui. Des Bombari, Baleine. Maintenant, ma mère. Le père de ma mère était Ewodi. Ewodi, c'est dans les îles, là. Les îles ici. C'est-à-dire que c'est chez les côtiers, là, oui. Après les abords, là. Oui. Vous en chez les machins. Oui. La mère de ma mère était Bonapriso. D'accord. Bon, ok. Je me résume. Le père de mon père était Bombari. La mère de mon père était Baleine. Le père de ma mère était Ewodi. La mère de ma mère était Bonapriso. Maintenant, si les gens veulent dire que je me cache derrière les noms et tout, je ne sais pas qu'est-ce que ça m'aurait apporté. Je voudrais vous rappeler que mon CEP porte Kingé. D'accord. À quel moment ai-je eu le temps de changer de nom à 9 ans? Parce que moi j'ai eu mon CEP à 9 ans. Merci beaucoup Paul Eric King. C'est ici qu'on va mettre un terme à cet entretien. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Oui, disons que ce n'est pas mes locaux, c'est des locaux de passage. Je voudrais vous dire, je ne vais pas finir sans dire aux gens de Kamto, continuez, n'est-ce pas, à continuer, n'arrêtez surtout pas, continuez de gesticuler. Je donne rendez-vous aux Camerounais dans les prochains jours pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé aux élections de 2018, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé pendant mes 10 mois de prison avec Maurice Kamto. Mais je ne vais pas clôturer sans dire que je vous assure, si M. Kamto est président dans ce pays, le Cameroun tombe dans la guerre immédiatement. Nous aurions aimé que vous nous donniez quelques aspects ici aujourd'hui. Bien, on va s'en tenir à la communication que vous dites que vous allez. Non, je voudrais communiquer avec vous sur l'actualité. D'accord. Et je crois que vous êtes arrivé parce qu'il y avait une actualité brûlante dans les réseaux sociaux. Mais il faut que les gens qui suivent ces donneurs de leçons, c'est-à-dire le gars qui se démaquille en France, là, vous l'avez appelé quoi, Ngono, c'est ça, vous l'appelez Ngono, Franklin Nyamsi. Quand on les suit, c'est bien. Mais il y a un grand risque d'être en train de se faire tromper par des gens. Je vous ai pris le cas de ce jeune fuyard, là, Narcisse, quoi là. Je l'ai sorti de cellule. Moi, je l'ai sorti de cellule. Vous l'avez déjà dit. À partir du moment où je le sors de cellule et que d'un cachot, celui-là se met à m'insulter, alors qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. D'accord. J'ai même appris qu'il a parlé des femmes, des couleurs de femmes que j'aime et autres. Moi, je dis, écoutez, quand ces gars-là jacassent,
Je ne suis même pas au courant, puisque je suis très occupé. Merci. Moi, je suis très occupé par le corona. Je suis pour mes populations. D'accord. Je suis très occupé à concevoir les projets qu'il faut pour mon peuple. D'accord. J'ai pas assez de temps pour suivre ce genre d'histoire. Merci beaucoup, Paul-Éric King. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on met un terme à cette émission spéciale de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Inform. Retrouvons-nous bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission, notamment Gilles Noubi. Ici le réalisateur Eroufa Mohamadou pour la post-production. On se retrouve bientôt avec un autre invité. À très vite. Voulez-vous plus grand? Plus grand, plus impressionnant. Plus grand, plus durable. Plus c'est grand, mieux c'est.